Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo What I Ate in a Day. On est samedi, j'ai le temps de cuisiner donc je voulais vous montrer tout ça. Là je vais me faire mon petit café du matin et ensuite je vous emmène faire des courses. Let's go! Donc mon café il est super simple, c'est un peu une alternative au caramel macchiato de Starbucks. Je vais le faire soit glacé soit chaud. Je mets du lait, du café et quelques gouttes de flavor drops de MyProtein. Là c'est la saveur toffee donc ça donne un petit goût caramel et ça sucre mon café. Pour le midi, je vais faire des brochettes de bœuf à la citronnelle façon cambodgienne. Donc c'est ma mère qui m'a donné sa recette. Pour commencer, je vais faire ma pâte de curry donc à base de galanga, de feuilles de citron, de citronnelle et d'ail. La liste des ingrédients sera dans la description comme d'habitude. Là, ça fait une grande portion de pâte de curry, mais je préfère en préparer beaucoup à l'avance, congeler le reste et après c'est hyper pratique vu que j'en sors dès que j'en ai besoin. Pour ma recette, j'utilise 800 g de bœuf que je coupe en tranches. Pour la marinade, vous aurez besoin seulement de 3 cuillères à soupe de cette pâte. Et spoiler alert, faites très attention avec la sauce de poisson. Ensuite, versez la marinade dans un saladier avec votre bœuf et mélangez. Alors faites attention parce que comme il y a du curcuma, ça tache vachement. Si vous avez des gants de cuisine, c'est parfait. Moi, j'en ai pas, donc j'ai utilisé un sac de congélation. Ensuite, faites mariner au frigo pendant au moins 30 minutes si vous avez le temps. Ensuite, je forme mes brochettes, donc je vais au-dessus puis en dessous de la viande. Donc je pique au-dessus et en dessous. Et voilà, les brochettes sont prêtes pour la cuisson. Le bœuf cuit très rapidement, environ 1 minute sur chaque côté à feu moyen. Et vous allez voir, votre cuisine sentira super bon. Je me suis fait du riz et du chou chinois comme accompagnement. Vous m'avez vu 1000 fois le faire, donc j'ai accéléré et vous retrouverez la recette dans la description. Enfin, c'est prêt! Ah, je les ai trop bien réussi les brochettes. Ça me fait penser aux brochettes à la pagode de Vincennes là pendant le nouvel an cambodgien. Triste. C'était annulé l'année dernière et je pense que l'année prochaine aussi ça sera annulé. Mais à chaque fois on prend des brochettes à la citronnelle comme ça là. La prochaine fois je pense que je couperai le bœuf un peu plus épais parce que j'ai un peu galéré à faire les brochettes. Mais franchement elles sont grave bien tournées. Avec du riz, c'est parfait. Ma petite eau de coco. Aujourd'hui ça va être une journée brochette. Parce que j'ai acheté de quoi faire des brochettes bœuf fromage ce soir. Donc j'ai jamais essayé d'en faire. J'espère que je vais bien réussir. Franchement c'était trop bon. Je vais peut-être me prendre un petit dessert, je sais pas quoi. Petit goûter, je vais manger mes chocobons, mon calendrier de l'avant. Et je vais regarder des vidéos pour faire les sushis de ce soir. Parce que mes makis, mes California Rolls, c'est pas trop ça. Et je vais peut-être aussi commencer à monter cette vidéo pour vous la sortir plus vite.
J'avais complètement oublié, mais aujourd'hui je voulais aussi essayer le jus de céleri en live avec vous. Donc je déteste le céleri, j'en mange jamais. Mais j'ai entendu plein de trucs comme quoi le jus de céleri c'est trop bon pour la santé. D'ailleurs je viens juste de m'acheter un extracteur de jus sur Greenwiz. Du coup je vais le déballer et je vais tester ça avec vous. Comment c'est lourd. Donc j'ai pris le Atlas de la marque Biochef. La bête. Moment de vérité, franchement ça a l'air horrible. Ok, je pensais vraiment que ça allait être vraiment pire. Ça, c'est sucré. Enfin non, c'est salé. On dirait que ça a été cuisiné, c'est trop bizarre. Du coup, pour résumer, c'est pas si horrible, mais c'est salé. En fait, je m'attendais pas que ça soit si salé. C'est l'heure de préparer à manger. Du coup, au menu pour ce soir, on va faire des brochettes au bœuf fromage. Je n'ai jamais fait, donc j'ai trop hâte. Et on a acheté du saumon et de l'avocat. Donc je sais pas si je vais faire maquis, California, sushi, sashimi, on va voir. Là je vais commencer à faire le riz et mariner le bœuf. Comme vous avez pu le voir, j'ai acheté ma sauce teriyaki toute faite dans mon supermarché. Je badigeonne mes tranches de carpaccio avec cette sauce à l'aide d'un pinceau. Ensuite je coupe mes blocs d'emmental. Vous pouvez aussi utiliser du gouda ou du masdam. Ensuite c'est super simple, vous enroulez une tranche de carpaccio autour du fromage. Et le tour est joué. Au moment de la cuisson, je rajoute un peu de sauce dans ma poêle et ensuite je cuis mes brochettes à feu très doux. Il faut que le fromage ait le temps de fondre et que la viande ne soit pas trop cuite. Avec le saumon que j'ai acheté, j'ai décidé de faire des sashimi, des makis et des California rolls. Dans un premier temps, je coupe mon saumon en tranches. Ensuite, je fais cuire mon riz. Là, c'est la préparation pour le riz vinaigré. Une fois que votre riz est cuit et un peu refroidi, vous pouvez verser cette préparation et bien mélanger. Je coupe mes feuilles d'algues en deux et je prépare mes makis. C'est l'heure de manger. Regardez-moi ces bœufs au fromage de ouf. La sauce elle est hyper bonne. J'avais peur que ça soit sec et pas du tout. Sashimi. Team sauce sucrée évidemment.